Voilà, j'ai choisi le canal 5 que je mets ici sur le WT5 là, WT10. WR10. WR10, ouais, Nikon, j'en utilise tellement que hyper. Et alors là, la magie opère. Parce que je vais faire un test. Là, si je shoot, ça va. Ça... Alors, avec le HDMI, tu peux faire comme ça aussi si tu veux. Alors, voilà, bon, bah, ça coupe, mais j'ai fait une photo. Voilà, et le menu, je peux pas le récupérer. Si. Alors, il y a des raccourcis au doigt, et donc j'ai le réglage de mon flash. Et je vais venir. Je vais juste pousser, parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas voir, je pense. Ah, pardon. Ça passait de donc loin. En fait, moi je suis en manuel parce que le flash il est dans une boîte. On peut bosser au computer, là, en auto, et on peut bosser en TTL. On se remet en manuel, et là je règle la puissance, pleine puissance, un quart, etc. Par expérience, là, je vais partir au 1/32e. Voilà. Je débranche le HDMI et je reviens avec Gérard. Alors, en fait, le salon de la photo, c'est pas une ambiance hyper jolie, quoi. C'est pas excitant, quoi. J'ai pas une fenêtre à ouvrir avec des arbres derrière. Donc le seul truc que j'ai trouvé, que je vous propose là, mais si quelqu'un veut qu'on fasse autre chose, on peut essayer de le faire, c'est en fait de rendre un fond hyper flouté. Donc pour ça, il faut qu'on travaille à pleine ouverture, d'accord? Donc le 105-1/4, c'est une longue focale qui va permettre en fait qu'un super bokeh et qui va permettre en fait que je fasse un portrait en plan rapproché de Gérard avec un très joli flou derrière. Donc je vais me mettre à 2, là je suis à 2 pour l'instant. Pour que les gens puissent voir, Gérard, je vais vous demander de vous mettre ici, là. Ouais, super. Ne bougez pas. Ouais, ça va, c'est facile. Hein. Du coup, j'enlève la chaise. Parce que sur la chaise, j'ai peur que vous soyez affaissé, en fait. Et donc, voilà, tout simplement, je mets... Alors, oui, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'une boîte à lumière, plus on la met proche du modèle, il y en a certainement qui le savent parmi vous, mais... Et plus le rendu est doux. Voilà. Plus je l'éloigne, plus la lumière se diffuse et moins le rendu est doux. Donc du coup, Gérard, faut pas tomber. Hein. On fait pas de photo d'action, on fait du portrait miche-miche. Hein. Alors, on referme voilà, la chemise. Et là, j'essaye donc d'utiliser les petites loupiottes qu'il y a là-bas en fond. Les petites loupiottes de... Ouais, enfin les petites loupiottes, quoi. Et pour créer en fait des petites boules de lumière qui vont venir ambiancer un peu. Et puis je cherche en fait un peu mon cadrage. Alors voilà, là j'y suis. Puis là je vois que Gérard il fait quand même bien la gueule. Donc je vais lui demander de se détendre un petit peu. Bon, je fais un test. Ah, c'est trop surexposé. Donc là ça part quand... Je vais te confirmer tout de suite. D'accord. Alors, moi j'ai vu que c'était trop surex. Ça vient, voilà. Voilà, alors c'est sur X. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans le menu, on va dans le flash. J'ai plusieurs solutions. Soit je baisse la puissance de flash, c'est ce que je viens de faire. Et 60e. C'est une question de ratio en fait entre l'ambiance que tu veux garder du salon et la lumière que tu vas rajouter sur le 5e. Exactement. Là, l'ambiance elle est plutôt pas mal. Moi j'aime bien là, tout ce côté onirique qu'il y a autour de Gérard. Et vous voyez à quoi ça sert une optique avec une grande ouverture, avec une ouverture 1/4? Ça sert justement à faire ces bulles de lumière, j'aime bien ton expression Eric. Ouais. La photographie c'est de la poésie. Et donc là maintenant, il faut que je guide Gérard quoi, parce que Gérard, bah, il va passer en pleine page dans un magazine. Donc vous savez, on a des déchets, hein, ça arrive. Il n'y a pas de mauvais modèle. C'est ça, c'est ce qu'on dit toujours aux gens. Il y a que des mauvais photographes. Quoi. Si la photo est loupée, c'est pas vous, c'est moi. Hein. Tout à fait. Et donc du coup. Là, en plus, ça l'a fait rire. Alors, hop. Ah, alors là, c'est trop là. Là, d'un coup, j'ai trop baissé mon flash. Donc, je reviens. Hein, j'étais au 1/32. J'étais au 16. Je me mets à. Vous voyez, là, c'est 8. C'est beaucoup moins joli. Est-ce que l'angle au moins de la lumière te convient? Et non. Mais ça, je vais pas bouger le flash là. Je vais pas bouger le flash parce que. Pourquoi je bouge pas le flash? Parce que
la distance, elle est bonne. Donc je vais gagner de la puissance, mais je vais demander à Gérard, en fait, de tourner un tout petit peu la tête en regardant l'objectif. Voilà. Pour être dans la lumière. Et là, je suis presque bon. Maintenant, il faut que je... Techniquement, je suis bon. C'est-à-dire qu'on a compris que Gérard, il fallait qu'il tourne. Donc vous voyez, là, il est éclairé. On a une petite zone d'ombre, mais qui est quand même douce. Et donc, qui donne un peu de contraste et qui a renforcé la personnalité. On a un regard qui commence à être complice. On a une atmosphère. Hein, on fait ce qu'on peut, on est au salon de la photo. Et ouais, on est bien net aussi. Hein. Là, on voit qu'on a bien fait de lui demander de sortir les mouchoirs. Et là, donc, c'est pas mal. Moi, je suis content. On arrive en plus. Parce que Gérard, il a des lunettes en plus. Hein. Vous voyez, on refuse personne, mais j'étais pas rassuré. Et donc, on arrive à matcher, mais il a des lunettes anti-reflets. Pas mal. Donc ça va. Et vous voyez là, on voit un tout petit peu la boîte là dans les lunettes, mais c'est tout à fait acceptable parce que là c'est extrêmement zoomé. Quand on va remettre la photo en taille normale, on va plus voir grand chose. Donc là, c'était un portrait éloigné, c'est-à-dire moi dans mon travail, et comme je travaille beaucoup pour la presse, il faut que je donne de l'atmosphère, quoi. Il faut qu'on ait des repères de lieux, de... Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pas l'habitude d'être très proche comme ça des gens, vous voyez. Le 105 mm c'est la bonne distance pour toi. Ouais, c'est. Alors des fois je suis un peu court, hein, je te l'ai dit. Moi c'est une super focale, ça pique super bien, mais il faut un peu de recul. Et des fois vous faites des photos dans des bureaux, chez des gens, etc. Vous êtes alors là vous pouvez pas pousser le mur. C'est pour ça que j'utilise aussi le 85 et le 50. Enfin voilà, de toute manière j'ai toute la panoplie. Et donc là on va dire à Gérard. Alors Gérard, c'est pas mal, t'as regardé, c'était bien. Maintenant on va en faire une poil rigolote. Gérard, est-ce que tu peux regarder l'objectif? Alors tourne un tout petit peu la tête vers la lumière. Encore. Ouais, c'est pas mal. Regarde l'objectif sans bouger. Ouais, le regard de travers comme ça. Et je vais te demander, sans bouger quoi que ce soit, d'arranger un peu ton col de chemise là. Voilà, parfait. Je pense que là on a une publication. on va voir. Hein. Alors tu parlais des objectifs, qu'est-ce que tu as dans ton sac toi comme focal? Bah T'as déjà oublié? J'ai un 18, non mais parce que j'ai un grand angle, un super grand angle, mais avec lequel je fais pas de portrait pour le reportage ou pour des trucs comme ça. Et en tout cas, spécifiquement pour le portrait, j'utilise le 35-2. Et notamment mon boulot sur le Brésil, comme je marchais énormément et que c'était beaucoup de temps, j'ai utilisé que le 35 mm. Donc tout le boulot il est fait au 35 mm. Donc j'ai le 50, 85. Et bien sûr 105. Ah, ils sont féroces hein, chez Nikon. Et j'ai le 70-200 aussi que j'utilise pour plein de trucs qui rend service. On peut bouger la lumière. Ouais, donc voilà, en fait. Et là, d'un coup, moi, c'est une photo, je revendique. Alors, moi, je bosse pour la presse, donc j'ai aussi des déformations. C'est-à-dire qu'il faut que je laisse du champ parce que j'ai affaire à des TA qui sont féroces aussi. Ils sont super, mais. Donc là, on peut mettre un titre, parce que si Gérard il doit faire la coupe du magazine, on va mettre un titre, hein, l'Express, l'Obs, l'IB, ce que vous voulez, quoi, machin. Et puis là, on va mettre le titre d'accroche, vous voyez. Moi, je suis un peu déformé aussi dans mon travail par tout ça, c'est-à-dire qu'il faut que je pense, s'il y a des magazines, ils ont une maquette où ils vont faire une photo en carré, voilà, donc il faut penser à tout ça. Et le geste, vous voyez, d'un coup, il devient... Il devient pas inquiétant, mais il devient un peu intrigant, quoi. On se dit, Gérard, d'un coup, voilà. Et notre boulot, nous, c'est de faire des gens des héros, quoi. C'est énorme, mais je le dis vraiment avec de l'humour, hein, c'est sans se prendre au sérieux. Mais voilà, donc c'est un portrait, vous avez vu, hein, on a déclenché 4 fois, 5 fois, je sais pas. Ça, là j'ai parlé donc ça a duré longtemps, mais en 2 minutes on peut sortir un joli portrait, quoi. Juste savoir ce que Gérard pense de son portrait.
Bah ouais, c'est vrai. J'ai été un petit peu surpris du cadrage, justement, mais tu as donné l'explication. En fait, je suis en train de. Dans les deux clubs. Ouais. Je suis dans le portrait en ce moment. Ouais. Et bon, je mets les visages dans les lignes de force. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je suis pas académique du tout en fait et en fait je pense, enfin moi j'essaye de mon boulot en fait par rapport à en fait quand j'étais très jeune, enfin quand j'étais plus jeune j'ai été dans des clubs photo etc. Et quand on devient professionnel et qu'on est dans ma situation, on est obligé de casser tous les académismes parce que sinon je te surprendrai pas et je surprendrai pas le DA. Et le marché est quand même un peu sévère, hein, le marché du portrait, pour être photographe professionnel. Donc du coup, il faut vraiment trouver des ressorts d'originalité, quoi. Bon alors, un grand merci Eric, je pense qu'on l'a peut l'applaudir parce qu'il s'est vraiment mis en danger aujourd'hui à faire ce portrait devant vous. Merci Gérard, merci à d'avoir, Gérard, d'avoir pris la pause. Il faut que tu récupères le portrait si tu veux. On va devoir laisser le plateau, il y a une conférence qui suit. On est